Ouais, bonjour, bonsoir à tous les éléments de la Brogroli Family. Comme vous le constatez, c'est toujours le moment de la Brogroli Family. Quand c'est Poyo, c'est Paya, Bra. Comment ça y est? C'est comme la Chine. Voilà, Chine. Il y a certaines choses, je vois sur les réseaux sociaux, vraiment, moi ça ne me plaît pas, venant de vous les Chinois. Ça ne me plaît même pas du tout. Voilà. Mais, j'aimerais que vous sachiez que ce qui est important là, c'est la tournée du Moto-Moto. Ce qui est important là, c'est la carrière d'Arafat. Nous tous là, on est regroupés pour le bonheur d'Arafat. Nous tous là, on est regroupés pour que Yoro soit l'artiste, Yoro demeure l'artiste le plus influent du monde, Yoro demeure l'artiste le plus fort du monde. On est là, on le soutient parce qu'il est boycotté par ses propres frères ivoiriens, parce qu'il y a certaines personnes qui ne l'aiment pas, qui sont prêts à éteindre sa carrière, qui sont prêts à mettre fin à sa carrière. Maintenant, comme nous, on est digne fils de la Côte d'Ivoire et on soutient son idéologie, on soutient ce qu'il est, on soutient tout ce qu'il fait. Voilà, on ne doit pas se mélanger et on ne doit pas faire certaines choses qui vont à l'encontre d'Arafat, qui vont nuire son image, qui vont nuire sa réputation. Voilà, donc je vais commencer ici quoi? Je vais commencer si vous les Chinois qui faites les trucs, il y a certaines choses que vous faites là. Il y a un collègue qui avait une vidéo et il a chanté. Il y a certains Chinois qui vont commenter. Il rencontre n'importe quoi, que non, c'est comme si, c'est comme ça, c'est comme ça. Et vous là, vous les Chinois là, si vous n'allez pas encourager ce que le mec il fait, ne venez pas le décourager. Voilà, s'il a chanté là, c'est pour lui. Ça ne te plaît pas là, tu n'es pas obligé de commenter. Tu n'es pas pour, tu le laisses dans sa gamme, c'est sa gamme. Quand il soutient Yoro là, toi tu peux le payer ce qu'il fait. Quand il vient mettre sa vie en danger là, tu peux le payer par rapport à ça. Donc, de grâce, arrêtez vos commentaires bidon, ce truc des gens. Ne le découragez pas. Il est le meilleur youtubeur aujourd'hui qui soutient Arafat, qui s'est fait les montages, qui s'est fait les mouvements. Même si souvent lui et moi, on n'a pas les mêmes idées, on voit, nos idées vont à gauche, à droite. Mais, reconnaissons tout ce que le travail qu'il fait, c'est un bon boulot. Je veux parler de 100% Africa Buzz. Soutenez-le. Arrêtez de faire des trucs. Parce qu'aujourd'hui, là, il y a certains choses qu'il lui fait là. Nous-mêmes, on n'arrive pas à faire ça. Nous tous, on reconnaît ça. Voilà. C'est le meilleur et il restera le meilleur. S'il a décidé de chanter, malgré le soutien Yoro, soutenez-le. Ne venez pas faire des commentaires qui va le décourager, qui va faire que non, il va arrêter ce qu'il est en train de faire pour Arafat. Vous ne pouvez pas le payer. Même Arafat ne peut pas payer. Voilà, ce qu'il fait là. S'il doit faire facture de ça là, personne ne peut payer. Voilà. Donc mon frère Africa Buzz, qui est 100% Bénin Buzz, qui est devenu Africa Buzz, mon frère, continue. Fais ce que tu veux, mais si tu défends Yoro, nous, on a toi. Point barre. Ok. Maintenant, je vais m'attaquer à certains gars qui viennent commenter que parce qu'il y aura tiré photo avec Grand P, il y a certains morts qui se lèvent pour dire non, il y aura manqué de respect à Grand P. Au fait, vous là, vous êtes bêtes. Vous là, vous êtes bêtes. Grand P là, il a passé dans combien de pays? Il a passé dans plusieurs pays, il a tiré photo avec certaines personnes, il y a des gens qui l'ont taquiné. Même Bravado a fait des trucs, vous n'êtes pas plein, hein, parce qu'il y aura... A tiré photo, il a mis le mort sur son pied. Avoir Bouddha là, l'œil. Que non, il a manqué de respect au monsieur. Est-ce que vous là, vous êtes normal? Vous là, vous n'êtes pas normal. Au fait là, vous êtes des aigris même. Au fait là, tellement vous n'avez pas le monsieur même là. Vous attendez les petits trucs pour venir dire non. Pourquoi elle a fait ça? Pourquoi elle a fait ça? Au fait, vous là, vous êtes bête. Voilà. Donc nous, on vous comprend par rapport à vos idéologies là. Nous, on vous comprend par rapport à vos bêtetés là. Voilà. Il n'a pas manqué de respect au mort. Il a fait comme de la manière tous les gars ont fait. Tous ceux qui ont tiré photo Grand Pays là. C'est sa manière à lui, parce qu'il était dans sa voiture, il a tiré photo le mec. Donc c'est sa manière à lui à soutenir le mort. Maintenant, si vous n'êtes pas d'accord là, vous n'êtes pas obligé de commenter. Et puis ceux qui commentent, c'est que ce n'est pas des Chinois, c'est des rageux. Voilà, c'est que c'est des artistes, c'est des gars, voilà, ils sont prêts à boycotter le mec ou boycotter le concert. Mais tant que Dieu existe, ce concert là, c'est tourner moto-moto là, nous on va faire ça. Tant que Dieu existe là, tourner moto-moto on va faire. Voilà, parce que nous sommes les anges gardiens. Voilà, c'est nous on contrôle la musique du monde. Voilà, donc si vous voulez là, pensez ce que vous voulez. Vous êtes tout simplement des aigris et des gros sorciers. Voilà, donc on s'en fout de vous. Voilà, le mec il tire photo Grand P comme tous ceux qui ont fait partout où il est passé. D'autres s'arrêtent, il a manqué de respect au gars, il est comme ci, il est comme ça. C'est vous-même qui vous êtes impoli. C'est vous-même au fait, vous êtes bêtes et vous êtes des sorciers au fait. Espèce de Bouddha Kourou, les morts bêtes, les morts bata, qu'on va venir vous asseoir pour venir dénigrer le monsieur. Moi je vous ai dit, si vous n'avez pas Yoro là, si vous n'aimez pas Yoro là, laissez-le comme ça. Voilà. S'il fait quelque chose qui ne vous plaît pas là,
Est-ce que vous êtes obligé de commenter ces mouvements? Vous êtes obligé de commenter ces mouvements? Bande de gribats, d'hypocrites, bande de sorciers. Bande de sorciers, le mot bata bata là. Ok. Maintenant, je vais terminer ma vidéo. C'est un mouvement. Bon, la Chine, poporopo. Mais vous êtes au courant encore. Il y a une maman qui a fait une vidéo. Il y a un de mes frères, c'est lui qui a filmé. Il a envoyé un de mes morts qui me connaît très bien, qui a boqué. Lui qui a boqué, a envoyé mon bon petit Adaloua. Mon bon petit Adaloua m'a envoyé ça. Moi, j'ai balancé sur Facebook. Facebook, on a balancé ça sur. Dans le groupe armé chinois. Et les gars ont balancé. Moi, j'ai mis la vidéo. Jasmine sur ma page Facebook, Broly, Family, Fan Club, DJ Arafat. Dieu merci. Le Yoro a vu, le Yoro a validé la femme, le Yoro a aimé ce que la femme a fait, le Yoro est d'accord parce qu'il est étonné. Une maman, une femme, une maman qui est fan. Moi, j'étais étonné quand j'ai vu la vidéo. Une maman qui soutient Arafat comme si, comme ça. Le Yoro était étonné. Moi, j'étais étonné. Anno Jago a fait son boulot plus que c'est un manager. C'est une femme, bon, on ne peut pas dire qu'elle est analphabète. Ce que je suis, elle s'est exprimée en français. Qui a osé dire ça. Elle n'a même pas pensé. Peut-être qu'elle est mariée, peut-être qu'elle a les enfants, peut-être qu'elle a les oncles, elle a les tantes. Elle n'a pas pensé à ça. Elle s'est affichée, puis ils l'ont filmé, et puis ils ont mis sur les réseaux sociaux. C'est à saluer. C'est ce qu'Anno Jago a fait, c'est ce que Yoro a fait. Maintenant, il y a certaines personnes qui sont là, qui vont venir garder Anno Jago. Vous qui faites ça là. Voilà pourquoi vous là. Les gens, il y a certaines personnes qui n'aiment pas vos têtes. Voilà pourquoi certaines personnes n'aiment pas vos têtes. Vous osez garder les gens. Optant vous-même là, vous n'êtes rien à la base. À la base, vous n'êtes rien. C'est vous qui partez lancer des garants aux gens sur Facebook comme si vous êtes trop important. Optant vous n'êtes même pas important dans ce game. On est même chose. Genre, vous voulez vous donner un genre que Anno Jago n'a qu'à faire attention. Il y a plusieurs mamans. Maman qu'eux ils connaissent, qu'elle s'appelle quoi même Kofeli Aoulaba. Maman Feli Aoulaba, toi tu allais commenter le post parce qu'il y a un gars qui allait dire qui te soutient. Maman Feli Aoulaba. Il y a une chose, il y a beaucoup de mamans que moi je suis en collaboration avec eux là. Toi-même là, tu es petit dans les affaires. Il y a une même là, quand Yoro vient à chaque fois là, elle paye fleurs, elle s'en accueille ça. Elle te l'a vu faire ta page. C'est que la femme l'a fait là, toi tu peux faire ça. Te mettre devant une caméra et puis parler comme ça. Et puis on balance ça dans le monde entier. Toi tu peux faire ça. C'est vrai, tu soutiens Arafat dans le noir, tu soutiens Arafat à ta manière. Mais ce que la femme l'a fait là, toi tu peux faire ça. Tiens, maman, tu es une femme hein. Si tu ne peux pas rassembler là, si tu peux pas être la base de l'union parmi les Chinois là, pour pas aimer la division parce que tu es une mère. Tu as compris? Pour pas aimer la division, tu es une mère. Tu devrais même dire à cette personne là que ce que tu as fait, ça ne se fait pas. C'est une femme. Ce qu'elle a fait là, elle a risqué sa vie. Prends ton téléphone et te filmer et on balance là. Ce n'est pas toutes les femmes qui acceptent. Toi-même là, tu ne peux pas accepter ça. Vous-même là, vous dites que vous soutenez Yoro là. Vous-même, vous avez quelle vidéo? Quelle vidéo pour dire que non, Yoro, on est prêt à mourir pour vous. Vous avez fait ça quand? C'est vrai? Vous partagez ces liens, vous commentez, vous faites. Mais ce que la femme l'a fait là, elle ne connaît pas téléphone, elle ne connaît pas YouTube, elle ne connaît pas Facebook. Elle là, ils l'ont filmé depuis dans son quartier là. Elle soutient Yoro. Tout le monde la connaît dans son secteur. Que elle là, elle soutient Yoro. Toi, on sait que tu soutiens Yoro, mais ce que la femme l'a fait là, toi tu peux faire ça? Elle n'a même pas pensé qu'elle a des enfants. Tu sais qu'il y a des femmes là, quand elles soutiennent Yoro, les femmes les insultent pour dire toi tu es femme, et là lui que tu suis. Toi, tu soutiens Yoro. C'est que la femme l'a fait là, tu peux faire ça. Tu as venu t'asseoir que non, merci mon fils, c'est comme ci, comme ça, c'est toi le premier ministre, on te soutient. Au fait, tu es bête, maman. Excuse-moi, hein. Tu es bête et tu ne sais pas ce que tu veux, tu ne sais pas ce que tu fais. Au fait, tu n'es pas une bonne femme, tu es une femme indigne, tu ne devrais pas accepter ça. Tu as accepté qu'un énergumène va aller garant à nos jaguars. C'est ce qu'il a fait, il a le garant Yoro. Tu trouves ça normal? Tu trouves ça normal? Apprenons à se respecter. Moi, je suis venu sur la toile là. Hein? Je suis venu sur la toile là. Moi, je me joue même pas d'ailleurs qu'un fanatique. Non. Tous ceux qui me connaissent, qui sont dans mon pays, là, ils savent que je suis simple comme de l'eau à boire. Voilà, c'est comme ça que Arafat est simple comme de l'eau à boire et il reçoit tout le monde. Voilà. Donc, si toi, tu penses que ce que Yoro a fait, c'est pas bon là. Ce que la femme l'a fait là. Moi, je te lance un défi. Fais ce que la femme l'a fait. Tu as venu t'asseoir, tu as soutenu les gens dans les lâchetés. Tu as venu t'asseoir, tu n'es pas capable de dire ce que tu as fait là, ça ne se fait pas. Apprenons, vous là non, vous là, moi je vous comprends, vous là, moi je vous comprends. D'après vous, c'est vous qui êtes le créateur de Facebook, parce que c'est vous qui avez créé Facebook, parce que vous dites que c'est vous qui êtes le premier à faire les directs, c'est vous qui avez créé Facebook, c'est vous qui avez créé YouTube. Je vous comprends, vous êtes des aigris, au fait, vous êtes les premiers, hein? Mais ceux qui sont venus derrière là, la Yoro Gang les préfère que vous, parce que vous là, vous êtes des aigris, vous êtes des sorciers, vous n'aimez pas
rassembler. Vous aimez la division. Moi là, même si tu es un nouveau Moro, tu viens, tu aimes Yoro, moi c'est toi. Moi là, moi ma philosophie c'est comme ça. Tu viens t'asseoir pour dire que non. Toi si tu es fâché, pourquoi Arafat a tiré photo de la femme là? Pourquoi Anno Jago a dit que c'est la maman de la Chine populaire? Tu es fâché, il a fait une vidéo comme elle. Prends ton téléphone, tu as fait une vidéo. Prends ton téléphone, tu as fait une vidéo aussi. Là, ça va que toi vraiment tu es chinoise. Il y a beaucoup de mamans qui sont dans le noir et qui baraquent toi. Que toi-même là, qui te connaît même? Qui te connaît? C'est un plaintin qui dit ton nom à chaque fois, qui te connaît? Va faire une vidéo comme la femme là. Tu viens t'asseoir, connaît, c'est quoi, quoi. Voilà, Chine pop. C'est ce qu'elle a. Restons soudés. Vous ne devez pas aimer la division. Vous ne devez pas aimer la division et la trahison. Vous ne devez pas aimer ça et la frustration. Vous ne devez pas aimer. La personne qui vous fuse là, on est la même chose. Ne nous voyez pas sur les réseaux sociaux pendant que non, il y a ça du coup là en nous. On bro comme vous. On chie comme vous. On mange comme vous. On dort comme vous. On graine comme vous. On est comme vous. On n'est pas mieux que vous. Voilà, Yoro, c'est comme ça qu'il est. Il est simple comme de l'eau à boire. Maintenant, comme il y a des fanatiques, d'après eux, ceux qui ont créé Facebook, eux, c'est des gros sorciers. Ne tombez pas dans les systèmes. Voilà, sur ce, j'aime arrêter là. Et puis, toi, Benebez là, faut te ressaisir. Hein. Moi, je te dis une chose, faut te ressaisir. Hein. Quand les artistes de ton pays rentrent en contact avec toi et tu refuses de les répondre, et c'est moi, et ils viennent m'embrouiller, moi, j'essaie de causer. Toi, tu oses me dire, il n'y aura pas d'écrit sur Instagram. Comme si toi et moi là, il y a ça, toi et moi. Voilà, faut te ressaisir. Hein. Moi, si fan de ton combat, c'est que tu fais sur les réseaux sociaux. Moi, c'est pas comme toi. Hein. Moi, c'est pas comme toi. Moi, j'aime ce que tu fais. Mais il faut être humble dans la vie. Si tu veux avancer, si tu vois que tu fais la tour et puis les gens de ton pays t'insultent là, c'est parce que tu refuses de collaborer avec les artistes de ton propre pays. Toi, c'est ton défaut qui est là. C'est ton défaut qui est là. Les artistes en aiment de ton pays là. Essaie de les booster un peu. Même si tu ne peux pas faire ça deux fois, une fois au moins là, fais-le. Tu vas voir que tu vas prospérer dans tout ce que tu fais. Faut être humble dans ta vie. Voilà. Sur ce, c'était le maréchal Haftar, le ministre d'État. Pas besoin d'être validé, pas besoin d'être certifié. Tout cela se passe dans le noir. Brada. Premier bataillon, Bigoba Lamte César, Bigoba Ibe le créateur 4 fois Brassa, Bigoba Serou le monadi John Point, Bigoba la Kalash, Bigoba la Sina Kamara, deuxième bataillon, Bigoba 2 fois, 3 fois Nivakin, Bigoba Général Silencieux, Bigoba Maram la Pimentée, Bigoba Samanke, Bigoba Moro Pacha, Bigoba Maître Louche, troisième bataillon, Bigoba Glaza, Saint-Denis Compé, mon général, Bigoba Deba Lacoste, Bigoba Hamza Ziani, Bigoba Yerogang de Paris, Bigoba MDMD, Bigoba Ibe Bonnet et Bigoba tous les broubrouli, les broubrousseurs du monde entier. Soyez humble. Si tu es humble dans ce que tu fais là, mon frère, tu ne vas jamais avoir peur de te promener dans le monde. Moi, je me promène seul. Ceux qui me cherchent, ils ne me cherchent pas. Vous ne voyez pas. Attends, ça la gare de métro, quoi, train, quoi. Il rentre sur Paris, il est venu broubrou dans un couloir. Voilà, sur ce, c'était le Sparta. Quand c'est Pouyou, c'est Paya, il borote, il bozaï. T'as quoi, beau? Il y a vous dit tout la vérité, bande de sorciers. Bra.